Chères internotatrices et chers internotateurs, amateurs de tourisme égyptien, bienvenue dans cette Tricklac TV où nous allons tenter de construire des dizaines et des dizaines de pyramides grâce à Amun-Re, un jeu signé Rainer Knizia et édité par Super Meeple. Et nous avons Monsieur Bernard de Super Meeple qui est là. Comment ça va, Bernard? Mais écoute, je vais très très bien. Mes meilleurs voeux à tous les internotateurs et internotatrices. Tu sais qu'il est possible que les gens regardent cette vidéo au mois de décembre. Mais alors, j'ai le droit de leur souhaiter les meilleurs voeux. Au mois d'août, les gens vont regarder. Qu'est-ce qu'il me raconte, le mec? Hey, bien. Mais ça, c'est un coup du soleil d'Amun-Re. Ouais, ça tape sur le système. Ça tape, dans une petite vidéo précédente, Monsieur Guillaume qui est là, comment ça vient, Monsieur Guillaume? Pec, Monsieur Fall, au taquet. Et moi-même, avant d'écouter les explications précises et pointues de Monsieur Bernard quant à la mécanique d'Amun-Re, je vous invite à aller la regarder si vous ne l'avez pas regardée, bien que. Regardez, cette petite partie va vous indiquer exactement comment on joue. Oui. C'est pas très compliqué, mais la règle c'est simple, fin c'est subtil et à jouer. Et je pense qu'on va bien se faire démonter par Bernard. Cette petite boîte, je ne la mettrai pas par devers moi, car nous en avons besoin, puisque la piste d'investissement est au dos. Je vais la poser ici. On va tous se mettre. Un petit marqueur. Alors, ici. Si vous ne la voyez pas en magasin, soyez pas surpris en disant ma boîte est buggée. Hein. Elle est cachée sous le film. C'est ça. À l'arrière de la boîte, vous avez ça. C'est ça, voilà. C'est ça à l'arrière. Alors, attendez, le bon titre, Gaël Lannurien aux illustrations. Tout le reste, vous l'avez déjà vu. À l'arrière de la boîte, il y a ça. Qui explique. Hein. Et quand vous l'enlèverez, il y aura le. Il y aura la piste de revenus. Les gens qui nous regardent ne sont pas idiots, ils le savent. Oui, alors, on va commencer. On prépare nos 14 points, c'est ça? C'est ça. Alors, donc, le sort a décidé que j'étais pharaon. Tout à fait. Donc, je suis les joueurs. C'est comme ça. C'est le phare de nous. Le phare anti-brouillard. C'est le phare de nous. Ce que tu veux, voilà, c'est ça. Allez, 14, ça vient. On va donc mettre un petit 14. Allez, 2 et 1, 3, 3, 6. Allez, on va se la faire comme ça. Allez, hop. Moi, je vais me la faire comme ça. C'est toi d'abord. Tu poses tes trucs, je regarde. C'est moi, puis toi, voilà. 1, 2, c'est ça. 0, 1, 2, 3, 8. Ok. Et bien, moi, j'ai fait 0, 2, 3, 4 et 5. C'est ça. Bah écoute, moi je vais mettre 6, hein, au cas où. Mais par exemple. Parce que tu veux vraiment quelque chose. Voilà. Et puis, il y a des points qu'on garde, c'est après là-dessus. Hein. Oui, c'est ça. Ouais. Hein, donc, ça, au cas où. Attends, je vais mettre un. Voilà. Si je mets donc, un... ceux qu'on n'a pas utilisés est de côté et on 6, ne l'aura pas 10, pendant tout le royaume. 13, c'est 14. Ouais. C'est 14. Hein. On sent que tu as du mal avec le 14. Mais non, hein, c'est que je calcule. Allez, bah, si je mets 7, ça me fait chier 7. Mais 7, c'est bien. Non, 6. Si je mets 3, 10, 12, ça marchera pas. Alors, pour les internotateurs, histoire de combler un petit peu quand même, connaître un minimum les mathématiques pour être capable d'additionner des valeurs jusqu'à 14, ça peut être utile, mais je ne m'étais pas assuré que M. Fall en était capable. Là, à mon avis, c'est de la considération stratégique en disant comment je peux enfumer Guillaume et peut-être éventuellement Bernard, dans une deuxième... Je pense que ça ressemblait plus à ça. Exactement. Alors, si vous me parlez, je n'ai pas ça mon calcul. Je sais que mon 6, déjà, il me laisse en la main. Ton 8, je vais te le laisser te gaspiller. Voilà, parce que le 6, il garde son 7, je garde mon 7. Mais je ne fais pas 13 pile poil, vous faites chier. Fais 5. J'additionne 2 et je retiens 12. C'est ça. 11, 12, 13, 14. T'as réussi à faire croire aux internotateurs que la partie la plus complexe était celle-ci. Non, je suis à 14. Stratégiquement, peut-être. Mais elle l'est. Encore plus à partir du deuxième et du troisième. Tout à fait. Bien sûr. C'est bon. Allez, premier tour d'enchère, mesdames et messieurs. Nous prenons donc 3 terrains du royaume numéro 1. Hop. Ah, ça serait bien si on mettait les 3 dans le même sens. Oh la vache. Alors, il y a des choses qui sont très disparates. Ouh là là, c'est des gens que je joue le dernier, donc je peux m'assurer. Les titres de propriété ne sont pas forcément ce que l'on attend. Alors, moi, quand je vois ça, je me dis que pour l'instant, histoire de voir, je mets très bien une enchère ici à 2. Voilà. D'accord, c'est parfait. Eh bien, je vais mettre une enchère à 3 ici. Donc, je reprends ma carte. C'est à moi. Oui. Mmh. Moi, j'ai un peu de temps. Oui. Là, il y a 3 ici, hein. Mais si je mets le 0, je ne vais pas y rester, mais je vais mettre mon 0 là parce que. Ça s'entend. Je ne vais pas me gêner, moi. Mais pourquoi pas? Ben oui. Exactement. Je vais vous laisser faire. Mais tu as tout à fait le droit. Eh bien, écoute, moi, vu la situation, je trouve que celle-ci pourrait sans problème valoir. Je regarde ce que tu as, bien évidemment. Celle-ci pourrait valoir 3. Bim. Bim. Et donc, je pourrais avoir ça pour 0. Oui. C'est ça. Et la carte, la. Quasi la plus nulle du jeu. Je vais refaire ça parce que je vois que... Ça là ouais. Certainement pas, tu vois, si ça se baisse là... C'est 10, c'est ça? Oui, il y a 10 points. Il y a 10 points de revenus. Revenu. Si la crue est toute petite... Si la crue est entre 0 et 10, c'est ça. Voilà. Eh bien écoute... Mais pourquoi pas? C'est fait. Donc tu reprends ta carte. Ouais. Parce que j'imagine que si je l'ai mis cette carte là, ça serait con de mettre une carte nulle. Non mais, ce que je voulais c'est que tu vires mon 3 pour que j'aille ailleurs. Tiens, celle-là elle part dans ta fosse. Voilà. Et nous avons terminé le premier tour d'enchères du premier royaume. On reprend donc 3 cartes.
Et moi, j'avais deux ancres. Alors, justement, à ce moment-là, on regarde, il y a deux ancres, deux ancres. C'est lui. Il y a égalité dans l'ordre du tour, c'est donc toi qui démarre la seconde enchère. Voilà. Eh bien. Sinon, on voit pas les cartes. Eh bien, je vais mettre un 2 ici. Ah, c'est bien ça, un 2 ici. Alors. Oui. Histoire de ne pas couvrir pour le. Bah écoute, moi, comme étant chafouin de premier niveau, un petit peu de nature quand même. Je vais mettre en zéro quelque part. 4 ans que c'est bien. Mais là, c'est 4, ça va monter un petit peu. Donc si je peux avoir des revenus, ouais, je vais mettre là, ça ne restera pas là, zéro, je le sais. Mm-hmm. Alors ça, c'est ce que j'ai voulu faire croire au premier tour. Et c'est pas du tout passé comme ça. Je vais comptabiliser que les cartes pourries. Ah oui, c'est une solution. C'est, bah oui, tu dépenses zéro et tu économises tout pour la suite. Oui, non mais. Ah, mais pourquoi pas? J'ai jamais joué. Ouais. Bah, je l'ai dit tout à l'heure, il y a des joueurs qui se retrouvent avec 7 points pour démarrer le deuxième tour. Et donc, donc là-dessus, bah écoute, franchement, je me dis que pourquoi pas. Allez, c'est le moment de craquer un petit peu. Allez, hop, on va lui mettre un 8 ici. Ah la vache. Carrément. Voilà, moi ça, c'est fait. Ok. Ça me paraît bien, cette histoire. Oui. Ça me paraît bien. Juste pour voir alors. Ouais. Ok, parfait. Ça c'est fait, c'est dépensé. C'est bien pour les joueurs, c'est dépensé, récupéré. Voilà. Et en même temps, il dépense pas ses sous. Ben voilà. Ouais, il la joue fin. Je sais pas, je la zouk, j'en sais rien. On commence. Oui, c'est. Tu la zouk. C'est en tout cas une des stratégies. Parce que là, je sais que si je pose mon 6, c'est à moi, il y a un truc à moi. On est bien d'accord. Et je vous emmerde. Mais tout à fait. Mais le 6. Alors par contre, on regarde tout de suite le nombre d'ancres. C'est moi, c'est toi, il n'y a pas de problème. Avec mon 5, je suis prioritaire. Tu ne peux, peux pas me battre. Donc, non, tu sais que je peux garder. Ce que je vais garder, ça va aller là-dessus après. Oui, exactement. Voilà. Mais il y a l'offrande. Alors ça va aller là-dessus. Mais l'offrande, c'est avec ça. Non, c'est avec ça. Non, c'est justement avec ce qui reste. Voilà. C'est parfait. Excuse-moi. Par contre, ça va aller là-dessus de deux manières. Il y a celle que tu vas réserver pour ça et celle que tu vas ou non garder qui ne s'ajoutera qu'à toi-même. Ce que je sais, c'est qu'avec mon 5, j'ai la carte que je veux. On est bien d'accord, c'est toi qui es maître. Et celle-ci me semble assez intéressante. Pas mal du tout. Tu vois ? Elle n'est pas mal du tout. Ouais, ça, elle est pas mal. Elle est pas mal pour être premier joueur. Mais pour être tout. Bon, au moins, c'est annoncé, c'est très clair. Alors vous vous démerdez maintenant, les garçons. Alors, bah moi, de toute façon, je sais que là, je suis mal parti. Hein. C'est ça. Il y a un 4 et un 5 derrière. Donc, est-ce que tu veux faire tomber quelque chose et avec quoi ? Bon, alors écoute, pour le principe, juste histoire de dire, je fais ceci. Parce qu'il faut bien lui faire dépenser ses cartes. Bah, un petit peu quand même. S'il la veut, il mettra au moins un 4. Il mettra au moins un 4. C'est ça l'intérêt. C'est beaucoup plus facile et agréable que le jeu de plateau. Moi, je trouve. Le jeu de plateau, j'avais du mal. Il y a des trucs. La synthétisation est excellente. 2 x 3, synthétisation est excellente. Il y a deux champs, admettons, qui partent à 2. 5, ça va être un bordel. 2 x 2, 4. Allez, ça fait du 4 maxi. Donc, si je paye 4 pour récupérer finalement 4 avec la crue. De l'enchère ouverte. C'est vraiment intéressant. Alors que là, je te fais tomber le 2, tu as un 0 et tu as un 1. Il n'y a que Fall qui éventuellement peut derrière. Je peux rien faire. Et ben non, tant pis. Moi, je te laisse le champ. C'est d'autant plus vicieux que là, on essaie de voir ce qui reste derrière. Mais ce qui reste derrière détermine aussi le fait de se dire est-ce que l'autre aura suffisamment pour faire monter la crue. Parce que moi, je n'ai peut-être pas intérêt à ce qu'il la fasse monter, mais j'ai peut-être intérêt à ce qu'il la fasse monter aussi. Mais moi, tu vois, il y a 3 et un 5. Toi, la crue dans les 2. 2 et 4 et 2, 6. Tu me diras 6. Alors. Ouais, mais ce qu'il y a, c'est que du coup, je te rends le 2. Oui. Ouais, mais le 2 peut éventuellement aller à la crue. Si on monte à la crue, ça va faire du 2. 2 x 2, 4. Je dépense mon 4 pour rien, mais toi, tu ne l'as pas. Eh bien, écoute, allez, c'est mieux comme ça. Allez. Bon, forcément, on va mettre un petit 0 ici. OK. Voilà. Et là, on voit dès le premier tour, hein, on comprend entre joueurs qu'il y a de quoi se faire des petites réflexions. Le 5 qui part. Donc, je perds ma première carte qui va là. Dans ton tas. C'est ça. Oui, c'est ça, qui rejoint les cartes que tu n'as pas utilisées. On a donc là, on regarde à nouveau qui a le plus d'encre, on le sait, c'est moi, ça c'est toi, donc tu es toujours premier joueur. Et c'est donc toi qui, voilà, pardon, c'est rien, non, c'est le moment juste, on prend le temps chacun de regarder ce que les autres ont comme valeur. T'as 5, t'as 5, voilà. Monter de 5. On sait que potentiellement tu peux aller jusqu'à 9. 5, 6, 7, 8. Voilà. Et toi ? Et toi, mais bah, ça... 8 maximum, il monte là. Oui, voilà, et c'est ça. Là, moi j'aurais 10 et 2, c'est ça ? On est bien d'accord. Voilà, donc c'est réglé, on met une carte, c'est ça, en mettant. Alors, on met une carte au moins, c'est-à-dire qu'on met au moins la carte 0. Et après, on met ce qu'on veut. Voilà. Et quand on est prêt, on révèle en effet le résultat. Quand on est prêt. Parce que là, ça va monter au maximum. Ça ne peut pas dépasser 10. On est d'accord. Ah ben, ça dépend de ce que toi, tu mets.
Oui, c'est moi qui décide. C'est ça, vous, c'est vous toi ne pouvez qui pas décide. Dépasser 10. On est bien d'accord. Voilà. Alors, tu as combien Comment on avait dit que je n'avais pas vu, je ne me rappelle plus. Il y a 8 au total. Il y a 8. Donc, je peux mettre jusqu'à ça. 8 maximum. On monte à. Je veux monter au moins. Ah, bah, toi, potentiellement, voilà. il faut pas que tu franchisses le 11. Oui, c'est ça. Ça ne fera pas le 11. Voilà, La question, c'est de savoir est-ce que. Oui, 5, ça, vous avez besoin de monter jusque-là. Oui. Voilà. Par contre, après, je te rappelle qu'il y a quand même le fait que celui qui aura mis le plus parmi nous a 3 pyramides, alors que celui qui met le moins n'en a qu'une. C'est vrai. Et attention ce jeu est monstrueux. Je m'en fous, parce que ce que je veux, c'est de l'argent au départ. Voilà. Donc, vous allez mettre ça. Je vais peut-être mettre ça derrière. Tu vois, tout de suite, ça fait réfléchir. Non, parce que je sais qu'on ne peut pas dépasser le 10 et je peux mettre ça. Donc. Voilà. 2. Allez, hop. 5, 6, 7, 8, 9, 10, parfait. 10. Exactement. La situation parfaite. Donc celle-là, c'est dépensé. Hein. Celles-là, elles sont dépensées, on n'en parle plus. Et ça sert juste comme marqueur. Donc, j'aurais pu pas le mettre, mais c'était au cas où vous restiez voilà, là. Voilà quelle est la crue du Nil. Donc, à partir de là, on reprend. C'est toi qui es actuellement premier joueur, ton pharaon. Donc 10, on va calculer tes revenus. Tu as donc 10 de caravane. Et 10 de bonhomme. Et tu as 3 et 2, 5 ça fait 20. Fois 2. On est bien d'accord. Ça 10, fait 20. 20 et 5 plus 27. Donc, il y a bien 20 points de multiplication auxquels on ajoute ce que tu n'avais pas dépensé. Te voilà donc à 27 de revenus. Ok. Sur ces 27 de revenus, qu'en fais-tu? Ah, je décide tout de suite. Ah oui. Ah non, mets 3 pyramides, s'il vous plaît. Ah oui, pardon. Pourquoi 3 pyramides? Parce que j'avais mis le plus. Ah oui, oui. C'est toi qui as mis le plus. Toi 2 et moi 1. Voilà, c'est ça. 2 pour moi et 1 pour toi. Toc. Voilà. Et les points de victoire, c'est à quel moment? J'ai failli me faire gruger, là. Ça sera après qu'on ait fait nos achats de pyramides. Voilà. Alors, donc maintenant, tu as 27. Combien dépenses-tu en pyramide? Est-ce qu'on peut compter ce que vous avez quand même, non ou pas? T'as le droit de le faire, mais ça se fait dans l'ordre du tour. Ah oui. Excusez-moi, la vidéo va durer des plombs parce que je vais compter ce que tu vas gagner. Ah, je me doute, mais bon, si tu veux, on le marque. Sinon on va perdre du temps. On va le visualiser. On va le bien évidemment. Enfin, faites comme vous voulez chez vous. Ouais, mais on est bien d'accord. Si vous voulez pas que je perde du temps à calculer. Je suis bien d'accord avec toi. Moi ici, j'ai 5. Non, c'est 5 fois 2, 10, auquel j'ajoute 0. Donc 10. Et toi? Je suis très mal parti. 1, 2, 3, 4. J'ai 8 fois 2, 16. 16. 16 auquel tu ajoutes 0. 0. 16, voilà. Voilà de quoi nous partons. Et quand je te disais qu'il y en a au moins qui va se retrouver avec 7 points, je savais t'es de quoi pas je parlais. Hein. 1, 2, 3. Donc si j'en prends 3. Mais tu n'es pas obligé de construire et puis tu gardes tes points. Il va rester 17. Je signale que je vais en prendre 1, donc je sais qu'il me restera 7. Je l'avais annoncé. Ah oui, d'accord. Ah non, mais tu vois. Tu fais tes 3 points. Je connais bien le jeu. Ah bah oui. Mais tu as beaucoup de points de victoire. Voilà. Bah oui. C'est ça. Alors que moi, si je veux compléter à 3 par. C'est 3 par terrain. Pardon? C'est 3 sur une carte domaine pour que ça fasse 1 point. Non. C'est 8. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Du moment que tu en as 1, c'est 1 point. 1, 2, 2, 2, 2 points. D'accord. C'est donc, l'autre manière de le dire, c'est actuellement, tu en as 2, tu en as 2, tu en as 1. Tu as donc un point. Oui, je comprends. Voilà, d'accord. C'est ça. Il faut égaliser. Donc, si je veux égaliser, il faut au moins que tu en achètes une. Et puis, boum. Ok. C'est bon pour moi. Histoire de ne pas perdre un point de victoire, il t'en faut au minimum une sur ce tour-ci. Donc, si je veux 10 points, il va m'en rester 27. Exactement ça. Donc. Il va m'en rester 17. Je peux 17, 17. Ouais. 17. Est-ce que l'ordre 17. Du tour dans ce choix-là impacte beaucoup? C'est-à-dire que c'est moi, par que exemple, là en l'occurrence, je me dis, de toute façon, quoi qu'il fasse, je veux construire qu'une pyramide pour gagner des sous pour le tour d'après. Il y a en effet des cas où on sait exactement ce qu'on va d'accord, faire. Il y a des cas où ça va absolument dépendre de ce que l'autre ose faire ou pas. C'est-à-dire de ce qu'on le voit vouloir garder ou non pour la suite. Oui, forcément. Parce qu'il va avoir beaucoup de thunes pour miser, auquel cas il faut que j'en garde plus, tant pis je construis pas. Tant pis je construis pas sur ce. Non, j'entends, finaux. Monsieur Knizia, très bien réalisé son petit calcul. Hein. C'est un mathématicien, c'est son truc. Hein. Oui, c'est son domaine, il n'y a pas de problème. Généralement un peu froid, mais au moins c'est chèrement calculé. C'est ça. Ça va, Pal? Oui, c'est là, je vais te dire, c'est pas un jeu qui dure 10 minutes avec un mec comme moi qui calcule tout bête. Je vais aller vite. Parce que je vais en dépenser 10, je prends 3 pyramides, ça c'est sûr. Allez, donc moins 10. Bim, bien. Voilà, t'es à 17. Ça. Vas-y. Donc, je suis à 17. Et maintenant, je vais prendre 17 points de carte. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Ok. Donc moi, j'en dépense 3, s'il te plaît. Bien sûr. Je fais une pyramide. Donc, une pyramide. Toc. Te voilà donc à 13. Parce que sinon, il fallait que je monte à 4, ça faisait 15. Et 15, je démarre avec 0, voilà, c'est pas la tout peine. À fait. Donc 13, et ensuite, est-ce que tu dépenses quelque chose? C'est la fameuse question. Et là. J'ai 17. Hein. 17. Alors j'étais parti du principe que j'allais la dépenser. Ça te coûte 3. Mais ça me coûte 3 et. Ça fait 7. Et 7, sachant que j'ai un joueur qui a plus du double, je ne peux pas me le permettre. Donc tu ne le fais pas. Donc je ne le fais pas. Je ne fais pas d'achat. Donc récupération des points de victoire. Donc toi, c'est le moment de récupérer les points de victoire. Donc les points de victoire. Ça pour fait. Les personnes qui n'arrivent pas, donc c'est sur la deuxième petite face ici. Donc, on regarde une pyramide par terrain là, et on compte ça, donc là où il y en a le moins. Donc, deux. Monsieur ici a deux points pour les pyramides
Ici, donc on va lui donner 2. Enfin, on va lui faire son compte complet. Hein. Oui. C'est lui qui a le plus d'anc par rapport au nombre. Ça fait plus 1, il est à 3. Oui. Il n'a pas au moins 9 champs, donc il n'a pas de points. Et il n'en perd pas puisque c'est lui qui a le plus. Il a donc 3 points de victoire sur ce tour-ci. Voilà, c'est 3 points. C'est pour toi, tu as donc 2 points de victoire pour les pyramides. Pas de champ. Tu n'as pas. J'ai pas le premier joueur. Tu n'as pas le premier joueur. Par contre, c'est là que tu te fais avoir parce que tu n'as que 2 anc. J'en ai que 2. Mais Pharaon est ici, dans l'ordre du tour, c'est donc c'est toi. Moi qui prends le moins 1. C'est toi qui prends le moins 1. Super, très drôle. Voilà. Celui-là, je ne l'ai pas anticipé. Oui. J'aime bien quand même. Moi, je l'avais anticipé, c'est pour ça que je me suis permis de compenser de ne pas acheter ma dernière pyramide. Mmh. Voilà, c'est ça. Et donc, moi, de mon côté, j'ai donc 2 points de pyramide, c'est tout. Voilà. Ça aussi, c'est un truc très, très intéressant, c'est cet ordre du tour de Pharaon auquel il faut absolument toujours faire attention. Mmh. Oui. Toi, Tara, vous avez moins que moi, 17. Voilà. Je vais faire ça en fait. Donc là, pour les joueurs, à partir de ce moment-là, 17 points. Le premier joueur compose son 17 qui est ici, on prend son marqueur, on est revenu à 0. Le deuxième joueur dans l'ordre du tour, c'est donc moi, j'ai 10 points de revenu, donc il faut que je me débrouille à faire 10 avec ceux que j'ai là. Dans le cas présent, on va se le faire de la manière suivante. 5. On va faire un 5-4-1. Où est-ce que je c'est d'une finesse qui fait mal à la tête déjà. C'est ça, oui. Non, si, ça ira. J'ai 3, t'as 2, t'as 1, c'est ça. Hein. Mais bon, c'est... Voilà. Et parce qu'il te manquait un truc, toi. C'est 9, ça. 10, 11, 12 et 13, c'est voilà. Bon pour moi. Tiens, ça tu le... Toc. Et donc, et bien évidemment, les deux marqueurs repartent là. Donc, on voit bien que cette piste n'est qu'une petite, un petit support visuel juste au décompte. C'est pour bien s'en rappeler. Voilà, c'est ça. Et là, ça va venir par-dessus un bout de carte. Donc là, on vient de démarrer le deuxième royaume et ceci va donc venir agrandir nos terrains, s'additionner avec les pyramides déjà présentes. Monsieur Pharaon, bah, écoute, je ne vais pas me gêner. Voilà. Ça va recouvrir là. Hein. Oui, c'est ça. Ah oui, les anques, par contre, attention, auront totalement disparu à la fin des 3 tours. Les anques, par contre, on va les compter au fur et à mesure, une carte par une carte, pour savoir qui est Pharaon. Donc, il y en a 2 qui restent visibles au moment où tu vas choisir sur quel terrain le mettre. Oui, okay. Voilà, c'est ça. Pas de souci. C'est ça. 0. C'est comme ça. Non, c'est très bien. Tout très, très, très bien. Claquez vos cartes. Absolument. Tout à fait d'accord avec toi. Eh bien, écoute, si tu estimes que ceci vaut 0, je pense que ceci, pour l'instant, vaut... Ceci vaut 1. Guillaume. Ouais, c'est bien. 3. C'est là où on réfléchit tous et on ne parle plus. Absolument. Bah, c'est parce que là, si tu veux. N'avais-je pas annoncé qu'à partir du deuxième royaume, on allait commencer à regarder la situation de manière très, très intense. Et ça convient bien, là, les deux pyramides. Voilà, voilà. C'est vrai que là, il y a beaucoup de trucs, mais ça me fait avoir des trucs pour 0, parce que ça compte, ça, après, la bataille. Bien évidemment que c'est moi, très important. Moi, je fais ça. Donc, je vais cacher ça, par exemple. Mais voilà, tu choisis sur lequel tu le mets. Parce que ça me laisse tout ça, donc. Oui, tout à fait. OK, moi, j'ai dépensé 1. Bon, et moi, j'ai donc cramé mon 5, forcément. Voilà, c'est fait. Et je reste toujours le premier joueur. Mais je crois que c'est ça, mon cher monsieur. Donc là, on va aller se lever. Voilà qui est intéressant. 3, 2, 2, 2. Toi, tu as craqué ton 5. Donc là, si je mets mon 5 ici, c'est à moi, ça. Et c'est plutôt pas mal, ça. J'ai toujours la priorité avec ça après. Ben, voilà. Tout à fait. Alors, je pense que celui-là vaut 1. Ça m'énerve de jouer contre toi, Bernard, parce que là, c'est Fall qui s'en sort tout seul. Oh, dans le nez. Alors qu'il faudrait l'enquiquiner. C'est vrai. Là, vous ne pouvez pas. Hein. Mais là, c'est ça. Et j'ai décidé de perdre le premier joueur pour le tournage. Mais oui. Parce que comme je suis devant... Ah, mais tout à fait. Je pense que tu as des réflexes de joueur. Bon, je sais pas. Non, même pas. Sauf si je fais ça. Et ça m'embête. Eh oui.
Et ça. Voilà. Ça mais tu sais quoi, ça me plaît beaucoup. Je me doutais que tu allais bien aimer ce genre de petit jeu. Voilà. Et donc, bien évidemment, on se rend compte qu'à 4 et 5, c'est mortel. Ouais, bah, je crois que mon format préféré restera 3. Moi, c'est 4. En ratio, temps et réflexion, pour moi, 3, c'est génial. C'est bien. 2, ouais. Pour moi, ça va être insupportable. Non, 2, c'était 4, ça va être la limite. 5, il y aura trop de monde, voilà, trop de problèmes. Ah, 3, c'est pour moi, c'est pas. Mais moi, c'est 4. 3, dont Guillaume. Oui. Voilà, c'est ça. Ah oui, parce qu'il compte pour 2. Ça tombe bien, il compte pour 2. N'importe quoi. Guillaume, tu mets ton 0 ou tu lui marches sur la tête? Alors, qu'est-ce que t'en fais? Marche-lui sur la tête. Allez. Oblige-le. Non, parce que s'il le veut vraiment, il joue son 4. Tu me diras, c'est pas con. Eh oui, hein. Je veux pas le jouer pour toi, mais oui. J'avais prévu. J'aime bien, ça va claquer vos trucs. Eh oui, je sais bien. Tout allez, t'as ça pour zéro, vas-y. Eh ben, écoute, on va acheter ça pour zéro. Ah ouais, tu frappes. Tiens, eh oui, absolument. Je vais me mettre là. Est-ce que quelqu'un prend le devant de la scène avec ses ancres? J'en ai 5. Alors, passe à 7. Moi, je vais passer à 7. Ah, et c'est donc lui. Donc, c'est moi. C'est ordre beaucoup du mieux. Ben non, c'est naze. Si, c'est bien que je joue en dernier, c'est ce que je voulais. Ça, cette règle-là, elle est naze. Oh, j'attendais un petit truc de machin, moi j'aime bien ça. Elle est naze. Oh, ben c'est ce que je veux, moi. Bon. Alors, dans le cas présent. Bon, histoire de voir ou de faire monter des tarifs, je pense que ceci vaut 4. Non, ça vaut 7. C'est quand même un point de victoire. C'est possible. Enfin, si je dis ça pour 0, c'est bien. Pour 0, c'est excellent. Voilà. Ou pour 2. Voilà. Mais si c'est pour 7. C'est bien aussi, parce que tu les as plus après. Non, Eh oui. T'inquiète pas, je m'en fous, celle-là. Celle-là me semble bien mieux. Après, là, pour les revenus, ça me fait pas beaucoup. Hein. Non, tu l'auras pas. Ah non. Tu t'es trompé de prix. C'est surfait, là. C'était un prix 2017, pas un prix 2018. Il y avait une promo l'année dernière sur la pyramide. Exactement. Ah ouais, c'est ça. Pyramide ou revenu? Eh oui, il faut faire des choix. Alors là, au niveau des points, tu dis c'est 3. Ouais. Hein. Il faut rééquilibrer ou bien? De quoi? Non. Ce qui est construit est construit. Ah, construit. Ah d'accord, oui, c'est... Donc, ah, parce que monsieur pensait qu'à la main, il allait déplacer ses pyramides. Non, mais que là, ça fait un point, et là, ça fait pas un point, ça fait 0. Pour l'instant, tu as 2 points de pyramide, là, seulement. Parce que là, tu n'as que 2. Pour l'instant. Parce que là, tu as 2, 4, 5, c'est 2 pour l'instant. Mais bon, je pense que tu vas compléter, sauf si tu achètes cette carte. Mais c'est l'intérêt que je me disais, voilà. Tu vois, les points de victoire, elle est bien, ça, là, quand même. Mais quand même, là, j'ai que 5, ça fera 10. Après, il faut monter, je peux mettre ça pour monter là. Je vais peut-être faire ça, je vais mettre 0 ici. Ah, surprenant. Ah oui, intéressant. Intéressant. Parce que là, la carte du milieu, c'est 2 champs. C'est naze, hein? C'est pas terrible. C'est pas terrible, 2 champs. Non. Mais pour 1 ou 0, c'est bien. Celle-là pour 1, elle est correcte. Ah ouais, mais tu l'auras pas pour 1, parce que tu vois, j'ai un 2 là. Tu vois? Mais mets ton 7, tu bats son 4 direct. Non, si je mets un 7, je le mets là, Guillaume. Ah Mais non, si, c'est logique. Si. Mais pas du tout. Mais en même temps, ça m'embête de te donner ton 5 parce que moi, avec mon 7, j'ai envie de le faire grimper là. Eh oui. Parce que je veux pas que tu aies les 10 là. Pourquoi tu joues contre moi d'abord? Non, je joue pas contre toi. Si, donc, ça, c'est un point de victoire. C'est beaucoup ça. Hein. Eh oui. Non, je vais pas te le laisser. Tiens, reprends ton petit truc. Ah ouais, t'es sûr? Bah, mes 4 si tu veux. Ah ouais. Ah ouais. Dommage, tu ne monteras plus. Bah, t'as raison. Non, il va prendre l'autre maintenant. Bah oui, je vais prendre celle-là maintenant. Eh oui. Comme ça, tu pourras venir là, toi. J'ai pas envie d'aller là. Ouais. Est-ce que je mets mon 7? Est-ce que ça, je m'en contente pour 0? 3, 4, 5, 6, 7. 4. Oui. Ah oui, toi, t'es bien là quand même. Hein. Toi, t'es quand même bien là. En termes de ressources? Ben non, parce que tu vois, il va y avoir le point de victoire du 9. Ouais. C'est pas énorme. Hein. Les ancres, c'est lui qui va. Non, c'est lui ah non, qui non, va. Non, 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 je vais pas avoir de point de victoire de 9, non. Si, toi, 9 champs. Ah non, j'en ai 4 ici. J'en ai 5. Sont... Et là, j'en ai Ah, c'est sur la ligne. Ah oui. Ah non, non. J'ai que 5. Et toi, non, oui, non, personne. Ah non, ah non. Qu'est-ce que je fais? Et non. Ceux-là vont être couverts. Et oui. Et donc, ça, c'est bien ça. Ça, c'est bien. Parce que tu vas avoir 1, 2, 3 points de victoire. Oh, tu me diras, c'est pas très très grave. Il y a le dernier tour. Non, je vais prendre ça à 0. Ok. Eh bien. Il vient de perdre la partie. Je sais pas. Moyen d'essayer de l'influencer, mais bon. Ah là là là, bien. Ok. Alors, c'est le moment où on regarde donc, ce qui nous reste. Ah, pardon, oui, j'ai tout ça, moi. Donc, toi, tu as 10, 12. T'as 12 potentiellement. Toi, tu as 4. Tu as 4. Moi, j'ai une force de frappe phénoménale. Hein. Alors, attends, ce que j'ai là, parce que toi, t'en as 3. Toi, t'en as
5. Toi, tu comptes pas sur ce coup-là. Toi, t'en as 5 aussi. Moi, j'en ai 5. Là, j'ai récupéré. Bien sûr, toi, j'ai conservé Pharaon. T'as intérêt à ce que ça reste là. T'as j'ai combien conservé de points, toi, Pharaon. 4. 4. Tu vas mettre 0. Tu vas mettre 0 parce que tu veux que ça reste là. Mais pas du tout. Mais si. Bah non. 7. Et moi, j'ai 12. 12, il faut que ça monte. Pour moi, il faut que ça monte au moins ici pour niquer Guillaume. Et je ne peux pas faire plus de 12. C'est pas moi qui ai le plus de points de toi. Alors, si ça je te là. Signale que là, il y a un problème de langue. Parce que niquer, c'est du grec. Ce n'est pas d'égyptien. Donc. tu invoques Athéna alors oui, qu'on Athéna est à Amun-Ré. Ah ben là, bravo. Alors là, c'est terrible. Là, c'est... Athéna la victorieuse. Ah ouais, non, 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 pas du tout. Allez. Que vas-tu je réfléchis. Oh, je vois bien. Toi, tu vas rester à zéro. Pas toi, du tu vas tout. Mettre ton 1. Non, faux. Donc, moi, il faut que ça monte au moins ici pour que ce soit intéressant. Je vais te dire, pas. Fall, si ça monte, je monte à 3 fois 3, 9. Ouais. Alors que si ça reste en bas, je suis à 11. Ouais. Donc, quoi qu'il en soit, oui. Bon, je m'en fous, en fait. Tu peux rester en bas, ouais. Sauf que c'est moi qui compte parce qu'en fait… C'est toi qui crache. Non, non, oui. Le rapport, c'est… Oui, mais ça, c'est des points que pour moi. C'est ça, après. Et moi, j'ai pas assez pour monter jusque-là. Absolument. Parce qu'il y a des petits bras à la table. Effectivement, quand tu vois 5, oui, ah tu ben, montes plus facilement là. Ah, tu montes bien plus facilement. Donc, l'idée, c'est qu'il faudrait qu'on aille là. Allez, on va faire ça. Et tu as tout à fait raison. Ce jeu ne se joue absolument pas de la même manière qu'on joue à 3 ou à 5. Ouais. Donc, on est à 3, 4, 5, 6. Donc, ça monte vous ici. Là. Parfait. Parfait. Donc, ça voilà, fait… on est là, 6. Entre 6 et 10. Moi, ça me fait 10. Toc, tu as plus 7. Alors, donc, pour tes revenus, méchant. Tu as donc combien ? 3 fois 2, 6. Tu as 5, 5 fois 2, 10, plus 2, le 7 que tu n'as pas joué. 17. 17. Te voilà à 17. OK. OK. Moi, de ton côté. 10 plus 3 7. Fois 2, 6, 16. Oui. Plus 4, 20. Te voilà à 20. On est bien d'accord. Donc, de mon côté, il y a donc 4 et 1, 5 fois 2, 10. Oui. 10 plus 0. 10. Ça reste toujours à 10. Ouais, mais tu as quand même beaucoup de points de victoire. Oui. Voilà. Oui, parce que tu les et as c'est... super bien équilibrés. Tu es déjà à 5 points, enfoiré. Bah oui. Enfoiré. Petite chose très importante, le but du jeu, c'est de gagner en points de victoire. Bah oui, c'est pas en argent. Hein. Ah, oui, mais on en a besoin. Regarde-le, bah, bien sûr. Voilà. Bien. Donc, alors attends, on peut acheter après. Moi, en termes d'encre, attendez, en termes oui. d'encre. Il t'a fait un problème de truc, hein, parce que je suis pas là, moi. Je suis le vert. Hein. Ah ben, c'est pas moi vert. Moi, c'est 17. Tu sais bien, comme d'habitude. Et toi, t'es 10. Bah oui. Voilà. Pour ceux qui n'auraient pas regardé les règles, nous avons un problème sur le vert tous les deux. Voilà. Donc c'est toi qui commence alors, et qui construis. J'ai Hank ici présent, donc c'est moi qui commence à construire. Alors, ici j'en ai 5, ici j'en ai 5 et ici j'en ai 5. Et comme je n'ai que 10, je ne vais rien construire du tout. Voilà. Puisque là, pour les interlocuteurs, pour que gagner un point de victoire supplémentaire, ouais. il faudrait que j'achète 3 pyramides d'un coup, ce qui me coûterait 10 et j'aurais 0 pour enchérir. Et moi, voilà. pour avoir... Ce n'est pas possible. Là, tu es à 4, 2, 5. Oui, donc tu es à 2 points de victoire. Donc en gros, c'est ouais. là. Il faudrait que j'achète 3. Si je mets là, d'un coup, je bloque, je monte. Non. Faut non. que tu mettes les tu mettes au moins 2 là. Ah, au moins 2 là, deux, là. Oui, au moins 2 là. C'est ça. Ouais, pour avoir 4 là, ça fait 4. C'était comme moi. Si, c'est ce que je vais faire. Moi, je vais m'en acheter. Moyen. Je vais m'en acheter 2. Ça va me coûter 6. Donc. Alors, dans l'ordre. Non, on recommence. Oui, pardon. J'avais, t'avais misé combien pour la truc ? Ah oui, c'est moi qui ai mis le plus. Absolument. T'as mis le plus ? Oui, j'ai mis le plus. Absolument. J'ai mis, non, je sais plus, j'ai mis. On est monté à 6. T'as mis 0 ? J'ai mis 1. Mis ah oui, 1. Pardon, on a oublié de regarder. T'as mis, oui, oui. T'as mis combien toi ? Pour savoir 0. Quelle était la voilà, faveur d'Amun-Ré. On est monté à 6, il a mis 1, j'ai mis 5. Oui, c'est ça. Donc vas-y, donc, on voit. C'est ça. Donc toi, tu avais des fêtes. Ah ouais. 3 pyramides. Ça change tout. Voilà. Donc toi, tu avais mis 0. Donc moi, j'en ai 2. Et moi, j'ai 1. C'est ça. Et après, donc, il faut les répartir. Voilà. Et tu as très bien fait parce que j'ai oublié. Ben non, toi, t'en as pas, si t'as mis 0. T'as pas fait d'offrande à Amun-Ré. C'est vrai, tu l'as dit. Tu n'as pas fait d'offrande. Tu l'as dit. Voilà. Donc là, il faudrait et donc, que là, on reprend tout à 0. Je reviens sur ce que j'avais dit tout à l'heure. Alors, vas-y, dis-moi. Parce que là, moi, forcément, à une de plus, j'ai un point de victoire de plus. Oui. Et moi, à deux et de plus. Et là, je vais donc la dépenser. Je vais donc dépenser 3. Voilà. Et je vais rajouter celle qui me manque. Et là, ça te fait 6. Ce qui fait 6 points de victoire en pyramide. C'est énorme. Voilà. Et moi, si je dépense 10, je passe aussi à 6 points de victoire. Mm-hmm. Voilà. Mais si je dépense 10, il me reste que 7. C'est ça. Ce qui est le même score que moi. Tout à fait. Mais c'est à toi de déterminer d'abord. C'est à toi de savoir ce que moi, je dépense 6 et j'en construis 2. Alors, toi, tu en dépenses 6. Donc, tu en vas à 14. Toc. Et donc, tu en construis 2 des pyramides, absolument. Mais moi, je vais en dépenser 44. 10 pour en acheter 3. Toc. Et donc, je passe à. Tu sais que les soldes, ça commence 7. Que demain. C'est trop tôt. Hein. Je passe à 7. Moi. Donc, te voilà descendu à 7. Attends, pas de 3. Bah, si. Qu'est-ce que j'ai fait t'es, il faut que tu égalises. Tu en as 5.
Oui, je l'ai pris dans ma main. Oui, voilà. Ok, parce que il m'en manquait deux pour avoir le truc. C'est voilà, ça. Comme ça. Je suis là. Maintenant, tu es à 6, normalement. Voilà, c'est ça. C'est ça, on est bien d'accord. Tout à fait. Donc, point de victoire. Donc, les points de victoire. Donc, de mon côté, il y a 6 pyramides. Lank. 6 points de victoire. 7. Je suis ou pas majoritaire en donc 4, T3, 7. Oui, c'est toi qui l'as. Oui, oui, on l'avait vu avant. Donc, il y a bien le 7e point. Je n'ai pas 9 champs. Donc, j'ai ici 7 points de victoire. Ok. De ton côté, Guillaume. 4. Donc, 4 points de victoire. Tiens, donne-moi un 5. Eh bien oui, tu vois, tout à fait. C'est moi qui préparerai mes premières. Je te redonne un. Tu as vu un peu comment. Un peu raclat. Je suis fort. Hein. C'est un peu raclat, ça. Et moi, j'en ai 6. Et donc, toi, te voilà avec 6 points. Moins 1. Moins 1. Pourquoi c'est parce que toi, tu as le moins d'anc. Okay. Donc, tu n'en as que 5 au bout du compte. Je suis à 8 et à. Tout à fait. 5 et 4, 9. Et toi ? Je suis à 5. Voilà. Troisième manche. Troisième. Alors, préparez vos cartes parce que absolument, je suis le dernier, moi. Tout à fait. Vas-y, montre-moi. C'est à moi d'en prendre. Donc. J'ai 7 points à prendre, tu as 7 points à prendre et toi tu as 14 points. Mmh. D'accord. Le double. C'est énorme. Je suis le plus loin. Tu es le challenger pour l'instant. Ouais. Pour l'instant, tu es le challenger. 9, 8, 5. Donc il faut bien que ça se voit quelque part. Alors. 7, ça va vite. Hein. Tu prends déjà tout ça ? Non, tu plaisantes. Il prend 1, 2, 3, 4. Il accède. Donc, tu sais, le plus petit que tu puisses faire, si tu veux plein de cartes, c'est ça. Bah ouais. Voilà. Donc, je vais peut-être pas faire ça. Attends, du coup, bah, vas-y, fais-toi. Je J'ai fait 7. Hein. Voilà. Parce que moi, je peux faire ça. Hein. Donc, mais je suis en dernier, moi. Donc, c'est à toi, Guillaume. 6. 7, 8, 9. Alors, c'est très, très intéressant parce que là, on est sur une partie où finalement, on est sur des. Tout petit revenu. Il faut faire une. Il y a des parties sur lesquelles les trois joueurs sont alentours quasiment de 30 points. Il faut garder de l'offrande. Voilà. Donc, si on veut garder de l'offrande, il faut au moins, 4, il faut 6, au moins 7, ça. 9, 10. Ça m'emmerde, j'en mets limite un 5. C'est pareil, ça m'emmerde. C'est 4, non, si 6. J'achète à 0, je garderai une offrande. Et bien sûr. Non, je suis obligé de faire ça. Je suis obligé de faire ça. J'ai pas le choix. 9, allez, on est bon. 11, 12, 13, 14. Et 14. On est bon ? Ouais. Ah bah, tout va à zéro. C'était bien à 14. Hein. Oui, c'est ça. Et là, hop, 9, les marqueurs 12, sont à zéro. Alors, bien évidemment, seul petit point qui avait pas été dit tout à l'heure, entre guillemets, la règle, mais à la fin du troisième tour, cette fois, on dépense tout en pyramide. Ouais, bien sûr. On n'a pas d'argent à garder pour le. Il n'y a pas d'argent à garder pour la suite. Ça va c'est peut-être ce que j'aurais dû faire. Parce que c'est ce qui permettrait, au cas où, de départager des égalités. Mmh. Donc, voilà. Ok, vas-y. Allez. Et bien, c'est parti. Alors, donc voilà ce que tu nous proposes à la vente. Eh bien, écoute, dans ta proposition, moi, je. J'ai acheté mes trois pyramides. Je trouve que cette carte-là vaut bien 4. Ah oui. Mais la pression, Guillaume. Eh oui, c'est un moyen de savoir si tu la craches ou pas. Tout de suite ou non. Pour les joueurs. C'est ballot parce que celle-là m'intéressait, moi. Bah, tu peux toujours la prendre point. Bah, ouais. Voilà. Mm-hmm. Ok. Finalement, t'en as eu une gratos, hein. Bah, c'est le but du jeu. Hein. J'avais compris. C'est pour ça que je suis content d'être dernier. C'était un petit peu l'idée. C'est un petit peu l'idée. Bah, je vais cacher ça, comme ça fait un peu d'anc. Je suis à 4 anc, ça bouge rien. Je suis à 7. Donc je vais redémarrer l'enchère. Ouais. Et je pense que le bon prix. Oh, c'est énorme ça. Ouais, celle-là, elle est pas mal du tout, elle est intéressante. Elle est pas mal du tout. Le bon prix, je pense que c'est celle-ci à 0. Ça ne restera pas ça. Guillaume, il met son. Ah, il n'y a plus le 1. Ouais. Allez, mec. Ouais. Je pourrais prendre ça et je vous arrête. Non, tu rigoles. Mais oui. Tu peux le faire. Tu en as les moyens. Normalement, tu devrais même. Oui, c'est même recommandé. Je pense que tu devrais. Je pense que celle-là est bien mieux. Ouais. Marc, puisque tu lui as recommandé, tu peux peut-être le faire. Alors, attends, elle va partir ici. Eh oui. Ça veut dire que derrière, je repars moi par là-bas. Il va y avoir quand même une. Ah là 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 là. Ah là là là. Je le sens pas. Qu'est-ce qui nous aura torturé le cerveau tout au long de notre vie, ce monsieur Nigia ? C'est sûr, c'est sûr.
Ah, tiens. Alors... J'ai vraiment le choix, là. Ouais, non, non, j'ai pas trop le choix, en effet. Alors, qu'est-ce que je fais? Ouais. Est-ce que je grille mon 4 pour obliger Guillaume à mettre son 5? Pourquoi pas? Parce que de toute façon, tu vas pas prendre ça avec ton 0. Hein. Donc, moi, je vais faire. Je vais faire ça. Là. Ah, forcément, cela va clore l'enchère. C'est ça. Il ne me reste guère de solution. Par contre, je passe à 7 Ankh. Alors, là, je suis à. Je sais pas combien. 4, 5, 6, 7. Bon. Il y en a 9 là. Attends, montre pas parce que j'ai pas encore placé. Vas-y, vas-y. Faut pas 2 heures. Hein. De toute façon, tu vas tout couvrir. Ah oui, mais dans quel ordre? Dans quel ordre? Ah oui. Est-ce que j'ai encore un espoir sur les champs ou quoi ou qu'est-ce? Mais ça change. Ah non, les champs, tu les verras plus, de toute façon. C'est couvert. Non, non, mais. Oui, le seul truc important, c'est les Ankhs. Ok. Oui, c'est tout. C'est embêté. Ça bouge pas. C'est savoir si tu as envie ou non de reprendre la main au cas où. C'est ça. Ah ben voilà, on sait ce que Guillaume veut. Bon, alors. Non. Tu veux pas ça? Bah non. Putain. Non, ça serait déjà déséquilibré. Ouais, il faudrait que je rééquilibre. C'est vrai. En même temps, tu peux en avoir plus et puis pas les utiliser. Ça, c'est à toi. C'est pas non plus. Mais c'est quand même con. C'est bêtant. C'est bêtant. Mais ça viendra là automatiquement. Bon, celui-là, il va aller là. Celui-là, il va aller ici. Il faut que je puisse rendre ça. Donc, j'ai besoin de cette carte-là. Ouais, c'est un potentiel. Alors, je pense que le meilleur prix possible. Ça fait 6. Le meilleur prix possible, c'est celle-là pour moi. Ça fait du 28. Guillaume. Ça fait du 28. Est-ce que tu vas avoir. Putain, c'est dur d'avoir les. Ah oui, les champs, ça dépend. Parce que là, on joue qu'à 3, donc il y a plein de cartes qui ne sont pas là. Absolument. Mais oui, il y a plein de cartes qui ne sont pas là. Et Guillaume. Et il y a des cartes tellement différentes des unes des autres. Non, on a des cartes qui ont 6 pyramides et qui ont rien du tout. Il y a des cartes qui ont 6 champs et pas. Voilà, il y a de tout. Il y a de tout. Quoi? Tu l'auras pas à 0 celle-là. Peut-être pas. Mais peut-être que si. Non, non, il n'aura pas. Non, non, non. Non, la question c'est. Celle-là, c'est la plus intéressante pour toi. Donc tu vas te battre dessus. Donc je peux m'assurer ça. Je peux m'assurer ça avec mon. En tout cas. Ouais. Pourquoi penses-tu que c'est celle-là la plus intéressante pour lui? Ça lui fait 2 lignes. Ouais, mais d'un autre côté, avec l'autre, il a 9 champs. Donc, je sais pas. Voilà. Je m'en fous. Oui, tu nous laisses réfléchir. Tout à fait. On est bien d'accord. Tu nous laisses réfléchir. Peu m'importe. Alors, de toute façon, je vais pas tout acheter. Bon, écoute, on va pas se battre pendant des heures. Ça vaut bien au moins un. Voilà, je laisse entre vous. On va vite savoir ce qui l'intéresse. C'est un peu ça l'idée. Voilà, tu vois bien. Ah oui. Ah oui, quand même. Ah oui, c'est tout. Ah oui, quand même. C'est bien. C'est pas mal. Ah oui, quand même. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Bon, ben là, en fait, j'ai celle que je voulais, quoi. Là, j'ai pas trop le choix. Hein. On va peut-être être obligé de prendre celle-là. Ok. Voilà. Ok. Alors, en termes d'Ankh. Là, j'en ai besoin. Alors, au niveau des points. Non, d'abord les Ankhs. D'abord les Ankhs. Bon, j'en ai 6. Je suis à 6, donc je reste. Tu restes premier joueur. C'est ça. Moi, je prends un moins 1, mais ça, c'est pas très grave. Je suis à 9 champs. Voilà. Potentiellement, tu es à 3, 1. Ah, d'accord, ok. Tu as bien tes 9 chances, ça y est, là. Oui, ouais, bien sûr. Ouais, bien sûr. Ouais. Bien, alors, toi, tu as un potentiel de 1. Toi, tu as un potentiel de combien dans tes cartes? 5. Un potentiel, mais avec un quoi? Là, ok, la 5 et la 0, c'est ça. D'accord, ok. D'accord. Donc, là, on ne va pas aller très loin. Hein. 4, 5, d'accord, 6. D'accord, 3, d'accord, 3, 4. D'accord. 4. 3, ouais. Ok. Bah si. Bah, toi, t'as pas le choix. Hein. Non, j'ai pas le choix. Oui, on est bon. Surtout pour 3 pyramides. Bah oui. Donc 5 et 2, 7 et 1, 8. Alors, cette fois, on les oubliera pas. C'est tu ça. Prends tes 3 pyramides. J'en prends une. T'en prends une, j'en prends deux. Ça, c'est un 0. Ça, c'est joué. Voilà. Et donc, on était à 5, 6, 7, 8. On est à 8, et eh ben on est toujours là. Ah oui, hein. Et on n'en sort pas.
D'accord, au niveau des revenus, moi, ça me fait 8. Alors, au niveau des revenus, donc, dans l'ordre de, a priori, 10 du tour, hein, voilà, si tu veux. Alors ici, il y a 3, 4, 5, il y a 6 bonhommes. 6 bonhommes x 2. 12. 12, 12, 12, plus 1. 13. Il y a donc 13, et je ne vais pas prendre le vert. Ça porte malheur, 13. Voilà. Ou l'inverse. Pas grand-chose, celui-là. Hein. Non, on n'est pas vendredi. Zut. Bien. Alors. 9, 8 x 2, 18. Donc 18 pour bleu. Oui. Et pour toi? Bah, j'ai 8. Et toi, tu as donc 8. Ouais, j'ai rien à faire avec ça. Hein. Voilà, voilà. C'est le moment donc de faire les achats. Alors, les achats. Donc, l'argent ne sert à rien à la fin. Absolument rien. Là, ouais, tu crames ce que tu as. Ouais, c'est cramé pour cramer. C'est le principe. Bah, vas-y. Deux, hein. Voilà. Je te dirais bien que c'est. Bon, c'est pas cramer pour cramer, mais c'est Knizia pour Knizia, donc à présent. D'accord, hein, on manque un peu d'argent. Voilà. Ouais. Alors, donc, je dispose de combien? 13. Je dispose de 13. Ce qui te fait 3 points. Donc, avec la 13, on a le droit d'en acheter 3. Moi, avec 8, j'en prends 2. Voilà. Tac, ça sert à rien. Et 3, ça tombe très bien. C'est exactement ce que Pas moi, il manque, j'ai un peu merdé sur la fin. Voilà, voilà. Donc potentiellement, voilà, il me reste 3, il me reste 3 sous. Et moi, il me reste 2. Ça ne sert à rien du tout, bien évidemment. Et moi, j'en prends. Toi, tu en achètes combien? 4. Tu en achètes donc 4. 2, 3, 4. Hop. 4, donc pour la valeur de 15. Il te reste 3. Voilà. Et toi, donc tu as. J'ai acheté, j'en ai pris 2. T'en as pris 2. Il me reste 2 d'argent. Voilà. Mais ceci n'a absolument, on peut les remettre à 0 puisqu'il n'y a pas de suite dans le jeu. Les points de victoire. C'est le moment de dire les points de victoire. Alors, les points de victoire, ici il y a 9 pyramides. 9 pyramides, 9 pyramides. Il y a donc 9 points. 3, 4, 5 et un 6 ancres. 6 aussi. Mais comme dans l'ordre du tour, c'est pour moi, donc je prends, mon 10e point. C'est bon, je n'ai pas de champ. Okay. J'ai donc 10 points de victoire. Guillaume. À toi, Guillaume. Il y a 9 pyramides, parce que je crois que là, j'en ai 10, mais ça fait 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, donc ça fait 11. J'ai 9 champs. Oui, 12 points. Par contre, tu as le... Et j'ai le moins 1. Voilà. Donc, ça fait 11 points. Ça te fait 11 points. C'est pas suffisant. Hein. Voilà. Et pour toi? Alors, au niveau des pyramides, donc c'est 1, 2, attends. 3, 6, 9, 9 et 9, 18, 3 fois. Donc ça fait 9 points. Parce que ça, C'est celle-là où tu en as le moins. Ouais. Tu es à 3, 6, 9, 9 10, et à 10. Donc tu es à 10 points. Points. Tu es à 10 points de victoire là-dessus. Tu n'as pas les champs, tu n'as pas la pénalité. Non, 10. Et, ouais. Et voilà. C'est con. Tu as pris ta pénalité, toi? Oui, bien sûr. C'est ça. Ben, donc, 18. Ben, je ne te rattrape pas. Mais c'est pas 16. Assez. 19. Tu vois, de 1 point, parce que j'ai merdé. J'ai juste merdé à un moment donné, je l'ai bien vu. J'aurais pas dû acheter la pyramide. La pyramide de tout à l'heure, j'aurais dû l'acheter au dernier tour. Souviens-toi, il y a un moment donné, je t'ai dit, tu viens de perdre la partie. Non, c'était pas ça. Non, celle-là. Je parle que j'aurais pas dû acheter mes 3 pyramides-là, j'avais le temps. En même temps, c'était quand même du point de victoire. Ouais, j'en ai claqué trop, j'aurais pas dû claquer trop. C'est pas grave. Et ben voilà. Un point, c'est serré du cul, c'est tendu. Alors en effet, en plus, c'est un jeu où le score est tendu, toujours très serré. Parce que c'est quoi, 16? On est 16, à 16, 17, 19, non, 16, 18, 19. Ah, oui, super. À 3 points entre les deux. Mais c'est notre première partie. Voilà. J'ai vu là, j'ai acheté là, j'aurais perdu. C'est ça, voilà. J'aurais perdu. Bon, mais je pense que ça ne sera peut-être pas ta dernière. Oh, sans doute. C'est très plaisant. À 3, c'est plaisant. Moi, je ne jouerai plus avec Fall, mais. Parce que tu joues contre moi. Mais pas du tout. Je joue contre Bertrand. Non, c'est lui qui est habitué. Je voulais me glisser entre vous deux, ce qui s'est bien passé. À partir du moment où j'ai commencé à prendre la main, je voulais pas. Il savait qu'il avait une chance de gagner, il fallait qu'il accepte de ne pas jouer avec le vert. Mais il a pas. Bien sûr. Non, mais je me suis glissé entre vous deux, mais à un moment donné, j'ai pas. Attention, attention à ce que tu vas dire là. Je me glisse, moi. Bien, bien, bien. Donc, c'est Amun-Re, le jeu de cartes. Eh oui. C'est signé Rainer Gizia, c'est chez Super Meeple, c'est illustré par Gaël Lanurien, c'est pour 2 à 5 joueurs à partir de 14 ans pour des parties de 45 minutes. Ça coûtera un peu moins de 30 euros, je pense. Bien évidemment. C'est arrivé dans toutes les bonnes boutiques là maintenant. Mais oui. C'est le premier jeu original édité par Super Meeple. C'est la première édition. C'est donc le tout dernier jeu de Rainer Gizia. C'est ça. Spécialement développé pour ça. Pour vous et par vous. Complètement. Ok. Mais oui, mais oui. Mais merci Bernard pour. Mais c'est tout nous, ça. C'est Super Meeple qui vous remercie. Bon, c'est toujours un vrai plaisir de venir faire une partie avec vous. C'était tendu là. Merci Guillaume. Oui. Guillaume, il recompte. Non, mais moi, je recompte. Je sais où j'ai fait la boulette. Comme quoi, un enfant peut gagner. Quelqu'un qui a déjà fait des parties peut gagner. Mais d'un point. Moi, je pensais que ça nous lui tolait 10 points. Ah là là. Il recompte. Eh oui. Punaise. C'est ça. C'est où que j'ai merdé. 16. Non, les internautateurs te le diront. 3 points, 3 points, je ne pouvais pas te rattraper. Ça faisait mal. Ça aurait été drôle. 2 points. Un point. Ah non, 2 points pour te rattraper. C'est beaucoup aussi. C'est quand même beaucoup aussi. Ouais, c'est beaucoup. Tu vois, mais ça, si ça avait été là. Ah bah si.
Eh oui. Oui, le problème. Parce qu'il me prend un point là-dessus. Il m'a pris un point ou deux là-dessus. Mais oui. Sur les ancres. Bien sûr. Ouais, mais d'un autre côté, construire directement des trucs de 3, t'en as eu très vite. Les 3 oui, du non, premier. Mais, tu vois, les 3 du premier tour. Oui. Si, quand même. Ah bah si. Il non, faut quand même. Ce qu'il fait en gagner, avoir c'est le là. Plus il me prend le point de l'ancre, il me prend deux fois le point de l'ancre. Le point de l'ancre, ça, c'est chiant. Ça, faut lui dire à Knizia, c'est dégueulasse. À chaque tour, être le premier joueur, ça n'a aucun intérêt. Non. Ça ne devrait pas. Parce que déjà, tes premiers joueurs, tu ne devrais pas avoir un. Je vais lui dire. Ce jeu est mal équilibré. Je vais lui dire. Tant que Guillaume ne gagne pas, c'est mal équilibré. C'est ça, on est bien d'accord. Merci voilà. En tout cas pour tout ça. Je crois que vous savez tout ce qu'il faut pour savoir si c'est fait pour vous ou pas. Voilà. Bah, donc, on va regarder je pense que quelqu'un qui n'aime pas les jeux d'enchères, c'est bon pour lui. Ça, c'est clair. Par contre, ceux qui aiment, je pense que celui-là c'est est vraiment pour. Mais c'est une enchère un peu particulière. Oui, très spécial. C'est l'enchère ouverte, on voit ce que les autres ont. Ouverte et fixée. Et fixée. Conditionnée. Et conditionnée. Tu ne peux pas dire 3 si tu n'as pas ton 3. Non, c'est mort. Et des 3, tu n'en auras qu'un. Et c'est ça. Non, c'est très, très bien vu. Et des 3, tu n'en auras qu'un. Ouais. Bon. Il va être temps de regarder. On finira l'Égypte avec la guerre de Troie. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais non, on a fait un tour géographique, historique très important, monsieur. Gibraltar. Encore un jeu de mots sur le chiffre ou ça va Gibraltar. Il y a des trois de chiffres. Ah, mais bien sûr. Donc il va être temps de si regarder. Tu veux, je peux faire la. Non, d'accord. Parler de la météo, c'est un peu con parce qu'on est en janvier. Oui, bon, d'accord. Si quelqu'un regarde en août, c'est mort. C'est comme pour la bonne année, tu sais. Bien, il va être temps de regarder cette caméra droite de l'objectif et de dire tout simplement Jenny Reich. Jenny Reich.